C'est l'une des plus grandes femmes d'État de l'histoire de France, l'une des plus mystérieuses aussi. Catherine de Médicis, née princesse florentine, est devenue reine de France, puis régente, et a donné trois rois à la France, François II, Charles IX et Henri III. Une femme de pouvoir à la réputation sulfureuse et dont la prétendue légende noire alimente tous les fantasmes depuis plus de 400 ans. Et c'est depuis les plus beaux châteaux de la Loire où elle a vécu, Chambord, Chenonceau, Chaumont, et dont nous allons vous montrer ou faire découvrir les endroits les plus secrets et pour certains jamais dévoilés. Voici donc l'histoire d'un destin hors du commun où les passions amoureuses se mêlent aux intrigues du pouvoir. Catherine de Médicis, c'est d'abord l'histoire d'une reine machiavélique accusée de tous les crimes. C'est une intrigante, c'est une Médicis. C'est une personnalité qui domine tout le XVIe siècle. Et qui a utilisé peut-être des moyens pour arriver à ses fins, qui n'étaient pas forcément des moyens toujours très catholiques. Au cœur des lieux de pouvoir qui marquent sa vie, nous verrons comment s'est construite cette légende et qui se cache vraiment derrière la veuve noire. Alors là, nous sommes au cœur même de la légende de Catherine de Médicis, c'est-à-dire l'endroit où elle aurait conservé ses poisons. La reine Catherine de Médicis est aussi le personnage central de ce que l'on appelait au XVIe siècle la cour des dames. On y croise Mary Stuart, reine d'Écosse, au destin tragique. Sur cette terre des Highlands, nous suivons la quête de passionnée hantée par son souvenir. C'est merveilleux. C'est le fantôme de Mary Stuart. La cour des dames, c'est ensuite l'histoire d'une rivalité entre Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, la maîtresse de son mari Henri II. Un médecin nous fait découvrir cette favorite royale au travers d'une aventure exceptionnelle. Exhumer le corps de Diane de Poitiers pour lui donner une sépulture décente. Humérus droit. On vient de tomber sur un crâne adulte en fait. Le siècle de Catherine de Médicis est marqué par une révolution dans les arts. Collectionneurs et propriétaires de châteaux nous font découvrir leurs trésors. C'est ce que l'on appelle la chambre des seigneurs. À Cornillon, donc c'est ma chambre. Tout au long de ce voyage dans l'histoire, Stéphane Bern nous entraîne dans les lieux les plus secrets des châteaux de la Loire, là où s'est forgée la légende de la veuve noire. Imaginez un petit peu, son trône était côté sud, là-bas. Chambord, 500 ans après sa construction, le plus grandiose des châteaux de la Loire vient de délivrer son dernier secret. Chaumont-sur-Loire, le château des forces occultes. Et elle a tout essayé, y compris la magie, bien entendu. Chenonceau, le château des plaisirs, où sous les combles se cache un mystérieux couvent. C'est le privilège de cette émission de vous entraîner dans un endroit où nul visiteur ne peut entrer. Catherine de Médicis arrive en France en 1533. Elle a alors 14 ans. C'est vrai que François Ier cherche à marier son fils, le futur Henri II, à une princesse italienne. Alors, Catherine de Médicis est un peu une mésalliance. D'abord parce qu'elle est l'héritière d'une famille de riches banquiers de Florence. Il faut dire que si c'est une mésalliance, la dot est considérable. Parce que Catherine arrive avec 100 000 écus en or et 30 000 écus de bijoux. En fait, François Ier voue une passion pour les artistes et les châteaux italiens de la Renaissance. D'ailleurs, il demande à Léonard de Vinci de dessiner les plans du château de Chambord où je me trouve. Et malheureusement, Léonard de Vinci ne le verra jamais construit. En fait, comme Léonard de Vinci, Catherine de Médicis est italienne, la passion de François Ier, mais c'est une étrangère et elle gouverne la France. L'histoire a été en quelque sorte assez injuste. Avec Catherine de Médicis, on imagine toujours la légende noire, l'empoisonneuse, cette femme machiavélique qui multiplie les intrigues pour garder le pouvoir. En réalité, qui était Catherine de Médicis? Aujourd'hui, l'histoire la réhabilite. Reine à 28 ans, veuve à 40, Catherine de Médicis est cette femme vêtue de noir qui fut la mère de trois rois de France au destin tous tragique. Catherine de Médicis a traversé le XVIe siècle à la tête du royaume de France. Une légende noire s'est emparée de son histoire. La légende noire, c'est qu'elle est italienne, qu'elle est venue de Florence, le lieu de toutes les débauches, de tous les vices. C'est une intrigante, c'est une Médicis. Elle a été élevée dans l'Italie des combines. C'est une femme de pouvoir et qui a utilisé peut-être des moyens pour arriver à ses fins qui n'étaient pas forcément des moyens toujours très catholiques. En vrai. Durant cette période, marquée par les guerres de religion, Catherine de Médicis décide d'éliminer une soixantaine de chefs protestants. Soubise. Oui. Montgomery. Surtout lui.
Mais l'attentat politique vire au dérapage incontrôlable. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Ce drame majeur de l'histoire de France lui est à jamais lié. Catherine de Médicis devient une criminelle. La Saint-Barthélemy, c'est dans la vision traditionnelle de Catherine de Médicis, la grosse pièce à charge contre elle. 2500 morts, ce qui est inhumain, inouï pour les contemporains. C'est un personnage qui a cristallisé beaucoup de haine nationale sur elle. Dès sa naissance, elle a apporté le malheur. Ses parents meurent dans les semaines qui suivent sa naissance. Elle est fatale à tout ce qu'elle approche. Et ensuite, sa vie n'est plus qu'une succession de malheurs pour tous, et évidemment pour le royaume de France. Des pamphlets écrits de son vivant la décrivent comme une intrigante, et pire, comme une empoisonneuse en série. Catherine de Médicis est un personnage incontournable de l'histoire des empoisonnements parce que dans les sources de l'époque, eh bien on la présente comme une empoisonneuse en série. Majesté, comme vous voyez, ces feuilles ont été immergées, plongées pendant plusieurs jours dans un bain d'arsenic. Elle avait un entourage qui prêtait à soupçon, elle avait un parfumeur qu'elle avait amené de Florence, qui était le fameux René, et qui pratiquait des manipulations un petit peu suspectes. On est donc dans une période qui marque une sorte d'apogée de la crainte de l'empoisonnement. Cette légende de Catherine l'empoisonneuse a longtemps été véhiculée au château de Blois. Depuis le XVIIIe siècle, son bureau personnel est présenté comme le cabinet des poisons. Alors là, nous sommes au cœur même de la légende de Catherine de Médicis, c'est-à-dire l'endroit où elle aurait conservé ses poisons. Un endroit où des portes secrètes, qui sont commandées par des systèmes assez simples d'ailleurs, pris dans les plaintes. Alexandre Dumas nous le dit lui-même, dans La Reine Margot, eh bien là se trouve tout l'arsenal de Catherine de Médicis pour faire passer de vie à trépas ses adversaires. Cette légende n'est qu'une légende. La réalité est différente. Catherine de Médicis n'a pas utilisé ce mode de gouvernement. Aujourd'hui, historiens et intellectuels contestent cette légende noire. Jack Lang, qui se passionne pour la culture et l'histoire de la Renaissance, participe à cette réhabilitation. Une sorte de malédiction s'est abattue sur Catherine. C'était une femme d'État. Ou si on veut, c'était un homme d'État. C'est une personnalité qui domine tout le XVIe siècle avec François Ier. Et cette légende noire ne repose sur rien que sur des mensonges, des calomnies. Et je le dirais franchement, xénophobie. Aux yeux des Français, Catherine de Médicis est avant tout une Italienne, une étrangère. Elle devient un bouc émissaire. On lui attribue alors tous les malheurs d'un pays au bord du chaos. Il faut qu'elle prenne à sa charge le destin de la France dans une des périodes les plus troublées qui soient, à savoir les guerres de religion. Catholiques et protestants pratiquent toutes sortes d'atrocités. Ce sont des violences épouvantables qui déchirent le royaume. Ce sont des petits-enfants lapidant l'hérétique, le calviniste. Ce sont des prêtres aussi qui sont émasculés. Elle a pris sur son dos toute l'histoire de ce temps. Quelle est donc la véritable Catherine? Dès le début de sa régence, les événements la poussent à agir comme un roi. Nous sommes à Amboise, en 1560. Son fils François II, alors âgé de 16 ans, est victime d'une tentative d'enlèvement par des chefs protestants. Catherine impose pour la première fois son autorité d'une main de fer. Il faut imaginer les chefs pendus à ce balcon de fer, ces chefs donc protestants qui ont voulu en fait s'emparer de la personne du roi, et la reine Catherine de Médicis va vouloir montrer avec un geste politique fort qu'il faut absolument respecter la personne du roi et l'autorité royale. C'est l'exemplarité de la peine capitale. Il y a là la fermeté qui est bien dans l'illustration de la reine Catherine de Médicis. Il n'y a pas de plaisir à faire souffrir du tout chez elle. Je ne crois pas du tout qu'on puisse dire en effet que c'est un personnage cruel, pas du tout. En revanche, lorsqu'elle a une rancune fortement appuyée, étayée sur d'excellentes raisons, je crois qu'elle est implacable. Elle est bien obligée
On est dans une période de remise en cause de la légitimité du pouvoir des femmes. Et il y a même une règle qui s'est élaborée, qu'on appelle la loi salique, qui dit que les filles de rois ne peuvent pas hériter ni transmettre la couronne. Pour faire admettre son pouvoir, elle n'a qu'une solution, se présenter comme la veuve d'Henri II, celle qui continue la politique d'Henri II. C'est pourquoi elle s'affiche constamment en veuve. On peut appeler cette stratégie du marketing politique, même si c'est un anachronisme évident, mais c'est une technique de communication politique. Veuve de roi, mais aussi mère de roi. De sa condition de femme, Catherine de Médicis en fait un atout. Elle disait qu'elle était avant tout une femme et que la femme avait en elle une vertu supérieure aux hommes, qui était de pouvoir faire vivre l'amour alors que les hommes faisaient vivre la violence et la guerre. Pour la reine-mère, la politique de l'amour, c'est avant tout la diplomatie. Quand François II meurt, elle se lance dans un tour de France pour imposer au-dessus des factions Charles IX, son deuxième fils, à peine âgé de 12 ans. Ce voyage de 14 000 km dure plus de 2 ans dans un pays tiraillé par la guerre civile. Son courage impressionne. Elle a une cour derrière, mais ils sont des milliers de gens. C'est elle qui conduit tout ça. C'est elle qui a cette idée-là. C'est elle qui décide en personne de présenter son fils, Charles IX, à la France. Il fallait absolument rencontrer tous les gens qui étaient importants en France. Et ensuite, de la même façon, il fallait rencontrer les belligérants, il fallait discuter avec eux et pas seulement se confier à des intermédiaires. Elle ruse, elle finasse, comme elle use de ses faiblesses physiques, de ses maladies plus ou moins feintes. Bref, c'est un véritable animal politique qui sait profiter de toutes les situations avec un objectif politique qui est celui, peut-être à long terme, mais de la réconciliation des Français entre catholiques et protestants. Le pays se déchire. Alors Catherine de Médicis écrit, reçoit et négocie. Préserver l'unité du royaume coûte que coûte, telle est la mission de la reine-mère. Celle que l'on a si souvent dépeinte comme pieuse, noire et tyrannique, croit à la politique de l'amour et aux vertus magiques de la fête. Catherine dépense sans compter. Cavannes nous refait une armée. Il en faut une. Les gracieusetés et les bonnes manières sont bien souvent plus fortes que les canons. Le coût des fêtes est certes important, mais ce n'est rien par rapport au financement d'une armée. Les fêtes sont, ce qu'on ignore trop aujourd'hui, un moyen de gouvernement. Car c'est l'occasion de rassembler en un lieu donné, dans un divertissement donné, les différentes factions qui se déchirent. Et le grand objectif de Catherine, c'est de voir, comme elle le dit elle-même dans sa correspondance, danser ensemble les papistes et les huguenots, les catholiques et les protestants. C'était quelque chose d'une audace inouïe. Elle invente vraiment quelque chose de complètement nouveau pour le temps, la cohabitation religieuse. Sans vouloir idéaliser Catherine, elle a été doublement constructrice. Constructrice de l'unité du royaume et d'une civilisation raffinée et éclairée. Ce bijou conservé à la Bibliothèque nationale exprime à lui seul sa personnalité. On y voit son goût pour les arts, mais surtout sa vision politique et sa capacité à convaincre. Voilà la lettre de commande qui correspond au bijou. Le manuscrit est intéressant parce qu'elle dit à l'orfèvre ce qu'elle attend pour la fabrication du bijou. C'est d'une part les deux amours de part et d'autre, une politique de l'amour et surtout ces deux mains enlacées qui signifie qu'elle donne sa fidélité. Et c'est ça qui est passionnant en elle, c'est que ce qui peut passer un moment par le truchement de la douceur, elle le met en œuvre. Mais quand, à un moment précis, il ne faut pas hésiter à broyer l'adversaire psychologiquement, là, elle n'hésite pas et elle obtient tout ce qu'elle veut. Et quand cela ne fonctionne pas, Catherine n'a aucun scrupule. La raison d'État doit triompher. Elle use de tous les stratagèmes, diviser pour mieux régner, unir quand il le faut, y compris pour obtenir confidence et ralliement. La légende noire lui attribue l'instauration d'un bataillon de belles espionnes, choisies parmi la haute noblesse, appelée l'escadron volant. Selon Yves Bonnet, l'ancien directeur du contre-espionnage, Catherine de Médicis a parfois utilisé ce genre de service.
En espionnage, la fin justifie les moyens. Nous sommes à une époque où l'espionnage commence à acquérir ses lettres de noblesse. Ce qu'on a appelé les escadrons volants, en fait, ce sont ces femmes qui servent Catherine de Médicis en mettant leur charme à la disposition de la bonne cause, c'est-à-dire celle de la reine-mère. Vous m'avez demandé, Majesté. Catherine de Médicis devait avoir recours au service d'une douzaine de femmes. C'est déjà pas mal, vous savez, ça marche. Catherine de Médicis affiche sa détermination jusqu'à marier sa propre fille à Henri de Navarre, une catholique et un protestant. Aux yeux des contemporains, cette union célébrée au mois d'août 1572 apparaît contre nature, sauf pour elle. Mais regarde, ils sont là, mes catholiques, mes protestants, réunis tous ensemble dans la maison de Dieu. C'est un symbole, ce mariage. Ça va tout arranger. Toutes ces tentatives de réconciliation échoueront de son vivant. Mais Catherine a laissé à la France le principe de la liberté de culte, qui finira par s'imposer avec Henri IV. Catherine a été un grand roi, si j'ose dire, sans en avoir le titre. Elle a commis des erreurs, elle a commis des fautes, elle a commis des faux pas. Elle n'était pas un ange, elle n'était pas une sainte. Mais il faut juger sur les actes, sur les comportements. Elle s'est dévouée pour le royaume, elle s'est dévouée pour le pays, elle s'est dévouée pour la paix. Donc il faut absolument rétablir la justice historique à travers ce personnage qui a été caricaturé et présenté comme un monstre qu'elle n'était pas. En arrivant de Florence, Catherine de Médicis est plutôt déroutée par les modes de vie de la cour de France. Il faut dire qu'à la cour de François Ier, la cour est nomade. On se déplace d'un château à l'autre en fonction des saisons, en fonction aussi des gibiers qu'il y a dans les forêts avoisinantes. C'est ainsi que l'on allait d'Amboise, le château où a grandi François Ier, jusqu'à Blois, sans doute la résidence préférée des rois à la Renaissance, et puis Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Villandry, tous les châteaux sont utilisés. Et les courtisans, enfin les nobles de cette époque, évidemment voulaient suivre le roi. D'abord, c'était le seul moyen d'avoir des faveurs, et donc se sont tous installés sur les bords de la Loire, si bien que ce Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est devenu un peu la vallée des rois avec plus de 1000 châteaux qui émaillent cette région. À l'âge de 25 ans, en 1519, François Ier a voulu à Chambord épater la galerie, il voulait surtout montrer sa différence et sa puissance. Et voyez ce château incroyable, mais très inconfortable, parce qu'évidemment c'est humide, c'est froid l'hiver. D'ailleurs, François Ier, comme sa belle-fille, Catherine de Médicis, ne résideront ici que quelques nuits seulement. Nous découvrons à présent le logis royal tel que François Ier se l'était fait aménager en 1541. C'est vrai que le train de vie à la cour de François Ier a été très fastueux, mais de mœurs beaucoup plus familières. Ça a surpris un peu Catherine de Médicis quand elle est arrivée ici, parce que chez les Médicis à Florence, c'était un peu plus protocolaire. N'importe quel courtisan avait le droit d'entrer dans les appartements du roi. Vous voyez la disposition des pièces. Il n'y a pas d'antichambre, on ne se faisait pas annoncer par un aboyeur. On entrait, on suivait, on assistait à la toilette du roi dans ce petit cabinet, et puis on entrait dans sa chambre, ce que je vous propose de faire. Allez, suivez-moi. Nous entrons ici dans la chambre du roi François Ier. Magnifique chambre avec ses broderies du XVIe siècle. Mais surtout, ce n'était pas seulement une chambre, c'était aussi une pièce à vivre. C'est là que le roi aimait recevoir sa petite bande, comme on disait à l'époque. C'était évidemment son épouse, parfois la reine Claude, sa sœur, également la célèbre Marguerite de Navarre, mais aussi sa belle-fille préférée, Catherine de Médicis, et également sa maîtresse, Anne de Pisseleu, duchesse d'Étampes. François Ier était résolument un homme à femme. Il était très séducteur, il aimait absolument s'entourer de femmes. D'ailleurs, il disait « une cour sans dames, c'est un jardin sans fleurs ». Mais il se méfiait de l'emprise qu'elle pouvait avoir sur lui et sur son esprit. Alors il rajoutait une phrase qui est restée célèbre dans l'histoire « souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie ».
Nous sommes là dans l'un des endroits les plus secrets du château de Chambord, cet escalier qui mène jusqu'au comble. Il faut imaginer qu'à la cour de François Ier, eh bien le château de Chambord est sans doute le premier immeuble d'habitation de l'histoire de France, parce qu'il y avait 40 appartements totalement identiques. Les pièces du château de Chambord sont souvent vides. Chambord a toujours été vide. Quelques jours avant l'arrivée de la famille royale et de tous les nobles qui suivaient la cour, eh bien, on installait les meubles, les fourriers amenaient des coffres, des tentures pour isoler les murs. Ces appartements étaient ainsi conçus qu'il y avait un valet de chambre qui les conduisait et ils avaient une clé. C'était véritablement un hôtel de luxe parce que le service était assuré en chambre. Alors vous voyez au-dessus des portes, il y a des numéros attribués à chaque appartement. Alors certains plaisantins, pour échanger les appartements, essayaient d'avoir plus la faveur du roi, être mieux placé dans le château de Chambord, effaçaient les inscriptions et puis mettaient un autre numéro qui était le leur pour s'installer dans l'appartement de façon tout à fait indu. Eh bien, Henri III avait décidé que si on prenait en flagrant délit des plaisantins en train d'effacer ces numéros, on lui couperait la main. C'est vous dire que ces intrigues à la cour de France, dans ce qu'on appelle la cour des dames, a mis aux prises des femmes extrêmement puissantes. Il y avait évidemment Catherine de Médicis, mais Catherine de Médicis a eu une célèbre rivale, celle qu'on a appelée la plus que reine. Évidemment, il s'agit de Diane de Poitiers. Les gants, les truelles, le matériel pour la génétique. Aujourd'hui, Philippe Charlier, médecin légiste passionné d'histoire, s'apprête à exhumer le corps de Diane de Poitiers. Et bien tout ça, ça va servir d'abord à commencer à fouiller l'emplacement présumé des restes de Diane de Poitiers, et puis ensuite faire des prélèvements pour s'assurer de son identité, et ensuite connaître les causes de son décès. Allez, en route. C'est avec deux amis, une historienne et un biologiste, qu'il s'apprête à ressusciter l'histoire. Allez, Diane nous attend. Direction le cimetière du village d'Annette, à quelques kilomètres de Dreux. Celle que l'on appelait au XVIe siècle la plus que reine est enterrée ici, derrière l'église, dans une banale fosse commune. Philippe Charlier va rester ici deux jours pour exhumer le corps. Ce médecin brillant s'est déjà fait connaître pour d'autres macabres aventures. À seulement 32 ans, il a déjà exhumé les restes présumés d'Agnès Sorel et autopsié le cœur de Louis XVII. Normalement, le corps est ici. Les dalles ont été retirées hier par le service communal de la ville d'Annette pour faciliter en fait notre travail de déblayage. Et maintenant, on va fouiller à proprement parler. On va essayer de retrouver ce qu'il reste à la fois de Diane de Poitiers et aussi des deux petites filles avec lesquelles elle a été enterrée. Bon, on débâche. À peine arrivé, première surprise. Le service communal a creusé un trou énorme et des ossements ont déjà été trouvés. C'était pas prévu que le trou soit aussi grand, mais on peut pas lutter contre la curiosité humaine. Donc, de toute façon, les ossements qui ont été retrouvés sont des ossements erratiques, c'est pas un corps véritable, donc c'est pas l'objet de notre recherche. On est quand même dans une fosse commune, donc nous on cherche un corps en entier, pas des fragments d'os qui sont pas ceux d'une personne âgée, donc ceux qui nous intéressent. Donc là, on va élargir et on va fouiller d'une façon véritablement scientifique cette fois-ci. Pour savoir qui est Diane de Poitiers, il faut se rendre à 1 kilomètre de là, dans le château d'Annette, qu'elle a fait construire à sa gloire. C'est ici qu'elle vit des moments privilégiés avec le roi Henri II, dont elle est la maîtresse pendant plus de 20 ans. Un roi sous complète domination de sa favorite et dont l'influence à la cour en fait le personnage le plus puissant du royaume. Pendant 200 ans, son corps va reposer ici, dans cette chapelle funéraire, jusqu'au 18 juin 1795. C'est la Révolution française, une époque où l'on profane les tombes des aristocrates. Diane n'y échappe pas, elle est délogée de son tombeau de marbre sans ménagement. On sait qu'elle a été sortie de son cercueil dans la chapelle, qu'elle a été dévêtue entièrement, qu'elle a été baladée sur un brancard et qu'il y a même des enfants qui passaient par là et qu'il y a une dame qui a dit « écoutez, au moins couvrez-la parce que c'est quand même assez indécent ». Et on sait donc qu'elle a été enterrée à cet endroit précis, d'après les textes.
Elle a été en fait jetée à même la fosse et elle était avec ses deux petites filles. Donc on cherche aussi deux corps de petites filles, à peu près de 3 et 7 ans. La fosse commune pour dernière demeure, une situation inacceptable pour Philippe et son équipe. Aujourd'hui, l'objectif de cette fouille, retrouver les restes du corps de Diane, puis les remettre ensuite dans son tombeau, une place digne de son rang. C'est toujours un peu émouvant de sortir un corps, d'exhumer un corps de toute façon, quel qu'il soit. Et là, ça l'est d'autant plus que c'est quand même une femme célèbre qui a eu une place quand même relativement importante dans l'histoire de France. Diane rencontre le futur Henri II lorsqu'il n'est encore que dauphin de France et bien avant ses fiançailles avec Catherine. Elle a alors 20 ans de plus que lui. Sire, vous m'avez demandé. Voici votre précepteur. C'est la grande figure féminine de la Renaissance française, une femme d'une très grande beauté, d'une grande intelligence, ambitieuse, très indépendante, et qui va en somme régner à travers Henri II sur la France pendant plus de 12 ans. Oh non, non, votre poignet est plié. Il devrait être beaucoup plus ferme. Gardez votre distance. Au départ, elle était chargée de son éducation, mais au sens large, c'est-à-dire plutôt littéraire, artistique. Et il se trouve qu'elle a pris en charge une toute autre éducation du dauphin, puisque c'est elle qui l'a initiée, on va dire, aux jeux érotiques. Elle a une grande expérience sexuelle et elle satisfait Henri II sur le plan physique d'une façon stupéfiante. Et après avoir été simplement une maîtresse, ça devient l'amour passionné de Henri II. Il est vis-à-vis d'elle dans une sorte de dévotion absolument passionnée. Il lui est assujetti. C'est elle qui orchestre la politique de balance entre les différents clans ou factions aristocratiques à la cour. Et donc, elle exerce véritablement le pouvoir. Donc, elle a à la fois le rôle de reine et de maîtresse, ce qui est très rare. Catherine de Médicis, l'épouse trompée, bafouée, ne désarme pas. Elle cherche par tous les moyens à reconquérir le cœur de son mari. On a un témoignage, je crois, qui dit que Catherine de Médicis, parfois, essayait d'épier son mari et Diane de Poitiers, ce qui se comprend, puisqu'elle était personnellement malheureuse d'être négligée. Oh, Conti, il aurait mieux valu que je ne voie jamais cela. Faites clouer ce panneau. Elle est très impressionnée par les ébats du couple. Elle dira par la suite que Diane et Henri échanger des caresses qu'elle-même n'avait jamais connues avec son mari. Tout ça, ça finira par se payer. Ça va se payer, en effet, à la mort d'Henri II. Après la mort accidentelle du roi Henri II lors d'un tournoi, Catherine chasse Diane de la cour. L'ancienne favorite s'enferme à Annette. Au cimetière, Philippe Charlier et son équipe continuent les fouilles à la recherche de Diane. Après 4 heures de travail, première découverte. Voilà, donc là on a un corps d'enfant, vous avez le crâne qui est ici, vous avez la clavicule droite, vous avez l'humérus droit qui est ici, et les côtes qui sont en dessous que je vais dégager au fur et à mesure. Et là vous avez un autre enfant avec son crâne, avec les côtes, on voit ici deux côtes différentes, et le corps de l'enfant est continu. Donc on a vraiment deux enfants qui sont en parallèle. Et puis là on a des ossements qui sont d'un individu adulte, un fémur. On sait quand même que Diane de Poitiers a été enterrée avec ses deux enfants l'un à côté de l'autre, donc il est possible que ce soit ses deux petites filles. Donc là, on continue, on fait vraiment une fouille le plus minutieuse possible. Humérus droit, 7,5 cm. Au fur et à mesure de la fouille, on prend des mesures, des photos, et l'on fait des prélèvements de terre dans un but bien précis. On sait que Diane de Poitiers prenait des sels d'or, donc on va les rechercher à la fois dans les ossements, dans les cheveux s'il y en a, et dans les restes momifiés, mais aussi dans la terre aux autres alentours. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est éventuellement déterminer la cause de son décès, parce qu'on sait que l'or, quand il est ingurgité en grande quantité, peut être à l'origine d'une insuffisance rénale, et donc peut faciliter le décès. Donc d'une part authentification, et d'autre part cause du décès. Diane était réputée pour sa beauté légendaire. Elle s'imposait une hygiène de vie drastique. Et pour rester jeune, elle prenait un traitement à base de sel d'or. C'est une femme magnifique, elle avait des yeux bleus, elle avait un teint lumineux, elle avait un corps parfait. Elle avait probablement une hygiène de vie qui n'avait rien à voir avec celle des femmes de son temps. Elle se levait à 6 heures du matin, elle prenait des bains glacés, ensuite elle allait chevaucher en forêt. Catherine a probablement été impressionnée par la beauté de cette femme, sur laquelle, dit-on, l'âge n'avait pas de prise. Et 20 ans séparent Diane de Poitiers d'Henri II. 20 ans au XVIe siècle, c'est considérable. Philippe Charlier prélève à présent les deux squelettes d'enfants. Tout d'un coup, l'apparition de nouveaux ossements vient semer le trouble. Ah,
plus complexe que prévu. Donc on a trois corps d'enfants en fait. Donc on a peut-être les deux enfants plus Diane déposés sur d'autres enfants. Et l'équipe n'est pas au bout de ses surprises. Elle découvre un ensemble d'ossements à identifier. On a en plus une vertèbre cervicale humaine. On vient de tomber sur le crâne, un crâne adulte en fait. Ce sera moins rapide que prévu aujourd'hui. C'est un numérus. Attendez que je me repère. On vient de trouver un fémur qui est fracturé et puis aussi un autre crâne. On est quand même, il faut le rappeler, dans une fosse commune. Donc c'est normal de trouver d'autres ossements. En pratique, si Diane de Poitiers a été enterrée ici, elle est dans tous les ossements qu'on a sortis. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'identifier. Mais sur quels critères se baser pour distinguer les ossements appartenant à Diane ? On a des détails sur son état de santé, cette fois-ci pathologique, notamment la fracture au niveau d'un membre inférieur, sa prise de toxiques, je pense à l'or notamment, avec cette sorte de préparation médicinale pour rester éternellement jeune. Et puis évidemment, on sait que c'est une femme, on sait qu'elle a quasiment 67 ans, donc il y a des critères anthropologiques du sexe et de l'âge qu'on va utiliser sur les différents squelettes mis au jour. La fouille est terminée pour Philippe Charlier. Les ossements sont ensuite triés dans une annexe de la mairie. C'était pas une fouille qui était facile. Les ossements étaient vraiment agencés n'importe comment dans la fosse. Si ce sont vraiment ceux de Diane de Poitiers, j'imagine que les révolutionnaires ne l'ont pas traité avec énormément de respect. Les ossements retrouvés vont être analysés pendant plusieurs mois à l'hôpital de Garches. Si les restes de Diane de Poitiers en font partie, son corps pourra réintégrer son tombeau de marbre. Un lieu de repos plus conforme à la place qu'elle occupe dans l'histoire de France. L'époque de Catherine de Médicis est aussi marquée par une incroyable révolution artistique. C'est l'époque où on voit apparaître des meubles précieux, des tapisseries de luxe, les bijoux les plus extraordinaires et aussi la naissance de la mode vestimentaire. Alors nous sommes allés à la recherche des plus beaux trésors de la Renaissance, des trésors cachés, parce que très peu ont réussi à traverser les siècles et à parvenir jusqu'à nous, ce qui explique leur valeur tout à fait inestimable. Notre tour de France des trésors cachés de la Renaissance commence ici au château de Cornillon, à quelques kilomètres de Saint-Étienne, bien loin des grands musées nationaux. On est là ! Le propriétaire, c'est lui, Frédéric Champavert. Originaire de Saint-Paul en Cornillon, cet homme a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique. Il décide alors de racheter le château de ses rêves, celui qui surplombe le village de son enfance. Quand j'avais 13 ans, je me promenais à vélo avec ma sœur et je lui avais dit « Ben écoute, regarde bien ce château parce qu'un jour, il sera à moi. » Il le restaure et le décore de meubles Renaissance, un lieu unique en France. C'est la première fois qu'il autorise une équipe de télévision à pénétrer à l'intérieur. Une visite aussi surprenante que pédagogique. Alors pour pénétrer dans la deuxième enceinte du château, il faut passer par cette porte. Qui est une porte exceptionnelle, totalement d'origine, avec sa salamandre, donc symbole de François Ier, qui date bien évidemment de cette époque, et qui est positionnée si haute, tout simplement parce qu'on arrivait à cheval, et que c'était beaucoup plus commode de pouvoir frapper. Passionné d'art Renaissance, Frédéric Champavert sillonne tous les ans les salles des ventes pour dénicher les meubles les plus précieux. Des meubles qui en disent long sur le mode de vie à l'époque de Catherine de Médicis. Vous avez ici deux exemples de chaises qu'on appelle cactoires. Et alors celle-ci est amusante parce que, en plus, comme vous voyez, elle est légèrement incurvée vers l'arrière, elle pivote et c'est en fait un siège de barbier. Et il faut savoir que les barbiers, à l'époque de la Renaissance, c'était également des chirurgiens et des dentistes. Donc voilà, on peut imaginer les scènes de torture qu'a connues cette chaise. Le nec plus ultra de la Renaissance, c'est le cabinet de curiosité où vous avez toutes sortes de choses très différentes, certaines très rares, très originales. C'est ce qu'on appelle la vraie ceinture de chasteté. Ça aussi, c'est typique d'un objet de curiosité de la Renaissance. C'est un automate fin 15e. Ça représente Jeanne d'Arc.
Ce qui me fascine avec la Renaissance, la période de la Renaissance, c'est tout ce qui concerne justement la découverte, le renouveau. On sort d'une période d'un millénaire d'obscurantisme. Et c'est justement ça qui est absolument fascinant. Tout devient merveilleux. La lumière, on ouvre les fenêtres des châteaux, on voyage. Et l'on expose aussi ses acquisitions comme l'orfèvrerie ou la vaisselle d'apparat sur ce meuble appelé un dressoir. Un meuble destiné aussi à assurer la sécurité du seigneur. Les plats montaient de la cuisine, on fermait à clé pour éviter qu'il y ait des risques d'empoisonnement. Et seul le seigneur pouvait ouvrir avec la clé. Voici ce qu'on appelle un berceau d'apparat. À l'époque, il fallait bien évidemment montrer sa progéniture. Surtout pour un seigneur, c'était très important pour qu'il puisse démontrer que la succession était assurée. Et puis, une salle dévolue au seigneur ne serait pas complète sans la cathèdre, qui était, bien sûr, le siège seigneurial par excellence. D'ailleurs, à l'époque, quiconque autre que le seigneur s'asseyait à cette place-là avait la tête tranchée. Et pour le clou de la visite, direction la chambre du propriétaire. C'est ce que l'on appelle la chambre des seigneurs à Cornillon, donc c'est ma chambre. Pour réussir à meubler une pièce avec une telle authenticité et surtout une telle harmonie, eh bien il faut de la ténacité, de la chance, du hasard, enfin un peu de tout ça. Et bien sûr, il faut aussi beaucoup d'argent. Le moindre meuble Renaissance vaut des dizaines, parfois des centaines de milliers d'euros. À la Renaissance, on crée de nouveaux meubles. C'est aussi l'époque d'un renouveau en matière de mode vestimentaire. Ce soir-là, Frédéric Champavert reçoit quelques amis passionnés d'histoire comme lui. Parmi eux, Franck Sorbier, le célèbre couturier. Il vient régulièrement à Cornillon pour préparer ses collections, dont certaines directement inspirées de la mode du XVIe siècle. C'est vrai que la Renaissance, c'est quelque chose qui revient de façon assez récurrente, parce que d'abord, c'est une époque très riche, et une époque aussi de bouleversement, et d'ouverture aussi d'esprit, je pense. Une ouverture d'esprit qu'il décline dans certaines collections, comme ici en 2007, intitulée justement « Le cabinet de curiosité ». Ou pour la création des costumes des Comtes d'Hoffmann, un opéra de plein air, où il s'inspire aussi des tendances du XVIe siècle. On retrouve l'idée de rubans qui encadrent le cou, donc qui font penser aux fraises finalement de l'époque, éventuellement la coiffure aussi. Puis il y a l'idée un peu boule qui en fait ressemble plus à ces culottes masculines, quoi, mais qui sont reprises avec cette idée un peu de rondeur. Quoi. Pour trouver son inspiration, Franck Sorbier s'est documenté sur des livres ou sur Internet. Il n'a pas pu voir de vêtements de cette époque et pour cause, très peu sont parvenus à traverser le temps. Alors pour se faire une idée de la mode de cette époque, direction les sous-sols de la Cinémathèque française. Ici sont entreposés les costumes ayant servi pour les plus grands films. Marie-Anne Privat-Savigny est la directrice du Musée des Tissus de Lyon. Pour elle, les costumes de la Cinémathèque sont assez fidèles à la réalité. Ici, vous avez Les Amants de Vérone, porté par Anouk Aimée, donc un film de André Cayette. La Kermesse héroïque, Jacques Feder, 1934. Là, c'est l'habit porté par Daniel Auteuil, jouant Henri IV dans le film La Reine Margot de Patrice Chéreau. Vous avez ici un portrait conservé au musée du Louvre où vraiment on est dans le même esprit, si ce n'est que l'autre chose se semble un petit peu plus court dans l'interprétation cinématographique. En revanche, pour le costume d'Isabelle Adjani qui joue la Reine Margot, problème. La Reine Margot, elle a mis à la mode des décolletés très plongeants qui répondaient en quelque sorte au corps piqué qui est ici très peu visible, mais qui descendait encore plus sur plus prononcé. Plus prononcé, exactement. Marguerite de Navarre était une croqueuse d'hommes, donc il est normal qu'elle ait aimé les décolletés plongeants. Mais celui qui révolutionne la mode, c'est le roi Henri III, l'un des fils de Catherine de Médicis. Bellissimo, carissimo. Vous avez vu mon nouveau pourpoint, Maëve? Oh, tu es magnifique. Efféminé, frivole, il adore se travestir et porter des costumes excentriques. C'est vrai que c'est un souverain qui adorait le luxe, qui adorait les belles choses, qui adorait les étoffes de soie, qui adorait les ornées de bijoux. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, monseigneur? Posséder de beaux habits coûte alors des fortunes. On les lègue d'ailleurs à ses enfants en héritage, comme on le fait aujourd'hui pour une maison. Oh,
Des règles précises encadrent ce que l'on a le droit de porter à la cour. Des lois pour limiter les victimes de la mode. Il massacre des milliers de huguenots et... Pardon. Regardez, c'est qu'il est jaloux. Il y a aussi certains buts économiques pour éviter la ruine de certains princes, mais également pour éviter à certaines catégories nouvellement enrichies, telles que les grands bourgeois par exemple, d'apparaître comme des nobles. L'apparence joue un rôle très important parce qu'il vous catégorise en quelque sorte socialement. C'est-à-dire que si vous portiez tel costume avec une telle richesse, c'était un repère en quelque sorte. On lisait à travers le costume votre rang social. À quelques pâtés de maison de la Cinémathèque, l'hôtel particulier de Pierre Berger dans le 7e arrondissement à Paris. L'ancien compagnon d'Yves Saint-Laurent est l'un des plus grands collectionneurs de France. Et sa résidence, une caverne d'Ali Baba de l'histoire de l'art. On y trouve des pièces rarissimes, de toutes les époques ou presque. La Renaissance y occupe une place de choix. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu non seulement la passion pour l'art, mais la passion de la collection. D'ailleurs, je crois qu'il faut encourager chez les enfants la collection et l'esprit de collectionneur. Ce qu'il y a de mieux, c'est de commencer avec des timbres-poste. Pierre Berger acquiert sa première œuvre d'art à 20 ans. Aujourd'hui, il en possède plusieurs centaines, dont quelques-unes ayant appartenu aux contemporains de Catherine de Médicis. Alors là, vous avez une collection très très belle. Ce sont des émaux de Limoges qui appartenaient pour la plupart à Hubert de Givenchy. Alors ça, c'est des pièces intéressantes. Ce sont des verres vénitiens, c'est des objets très beaux. Le XVIe siècle est pour Pierre Berger une époque révolutionnaire pour les arts. Une révolution qui trouve son origine aux frontières de l'Europe. Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé. En 1453, les Turcs envahissent Constantinople. À partir de ce qui était un grand foyer de civilisation, énorme. À partir de là, tous les artistes sont partis, tous. Ils vont alors progressivement étendre leur influence en Europe, en commençant par l'Italie de Catherine de Médicis. Cette jeune princesse florentine va durant toute sa vie protéger les artistes. Elle est sans doute l'une des plus grandes mécènes de son temps. Bien sûr, elle a joué un rôle important. Et avec elle sont arrivées toutes ces créations italiennes qu'elle a fait pénétrer en France. C'est comme ça que toutes les choses se sont faites. Et d'ailleurs, si on faisait une étude là-dessus, ça serait très intéressant de voir comment les mariages royaux ont déplacé la culture. Et favoriser la culture et surtout fait connaître une culture étrangère. Mais il y a des trésors que l'on ne trouve que dans les musées. Nous sommes au château des Coins qui abrite le musée national de la Renaissance. Derrière cette porte blindée, la salle des bijoux et de l'orfèvrerie. À l'époque de François Ier, les cours rivalisent d'audace pour créer sans cesse de nouvelles pièces d'apparat. Ces objets étaient bien sûr très chers, des objets de luxe par définition. Ils n'avaient quasiment pas d'utilité. Leur seule utilité, c'était une utilité d'ostentation, où il fallait montrer sa richesse. Exemple avec cette œuvre qui nous vient directement de la cour d'Henri II. Il s'agit d'une terre de Saint-Porchaire. Alors, un objet extraordinaire, il en reste seulement une soixantaine dans le monde. Et cet objet était vraiment la quintessence du goût de la cour des Valois pour les terres cuites de haut prestige qui imitent l'orfèvrerie. C'est un objet qui, quand on le voit, on pourrait se dire il sert à mettre de l'eau, mais en réalité, si on y avait mis de l'eau, l'anse aurait cédé. L'objet est trop fragile pour servir. C'est donc la preuve, et ça, bien sûr, la qualité de l'objet en témoigne, qu'il s'agit d'un objet d'apparat. Quand un objet de ce type passe en vente, et c'est très rare, il faut sans doute débourser plusieurs millions d'euros pour en l'acquérir. L'autre fierté du musée, c'est depuis peu ces deux tapisseries commandées par Diane de Poitiers pour son château d'Anette. Le musée vient d'en faire l'acquisition. Aujourd'hui, c'est le départ pour la restauration en Belgique. 4 mois de travail pour effacer l'usure du temps et retrouver tout l'éclat du passé.
Les tapisseries étaient des objets d'art itinérants que l'on accrochait, que l'on décrochait dans les châteaux au fur et à mesure des déplacements des rois et des cours royales. À l'époque, on montait et on descendait les tapisseries, on les accrochait, on les décrochait de façon très primitive, en les clouant sur des planches. Mais le problème était moins aigu qu'aujourd'hui, où les soirs se sont décomposés à cause de l'action de la lumière, où les brins se sont détériorés et toute une série de dégâts se sont manifestés. À l'époque, les tapisseries étaient en fait extrêmement solides, puisqu'aujourd'hui même, on tisse encore des tapisseries qui sont utilisées comme tapis, si vous voulez, sur base exactement de la même technique. Il aura fallu débourser 3 600 000 euros au musée de la Renaissance pour acquérir ces deux tapisseries. Ce qui fait la valeur, eh bien sûr, c'est la rareté, c'est qu'on a presque pu de ces tapisseries de Paris, de l'école de Fontainebleau. Elles sont rarissimes. Et comme je vous le disais, cette tenture en France, il n'en reste plus qu'une au musée de Rouen, et sinon les autres sont aux États-Unis. Il y en a deux au Metropolitan Museum. Michel Bimbenet-Priva ne cache pas sa joie. Ces tapisseries ont été rachetées à un marchand italien. Et sans l'intervention de l'État qui les a financées, elles auraient sûrement fini entre les mains d'un collectionneur étranger. Le château de Chambord est un peu comme un vaisseau fantôme. Vous voyez, au temps des Valois, il n'y a jamais de meubles. Nous sommes ici dans la chambre de la duchesse des Temples. C'était la dernière maîtresse de François Ier. Sa chambre, d'ailleurs, la chambre du roi, est juste en dessous. Donc on peut tout à fait imaginer qu'après la mort de François Ier, c'est Henri II qui s'est installé dans son appartement et Catherine de Médicis dans cette chambre. Mais vous savez, on croit tout savoir sur le château de Chambord. On parle de son architecture unique, de sa modernité. Mais il est encore un secret qu'en près de 5 siècles, on n'a pas encore révélé au public et nous allons le faire maintenant. Il se trouve juste derrière cette porte. Suivez-moi. Voilà, on se trouve ici dans le cabinet de toilette de la duchesse des Temples ou de la reine Catherine de Médicis. On connaissait cet endroit. On savait aussi qu'il y avait ici un lieu d'aisance, des commodités, des latrines en quelque sorte. Mais ce qui inquiétait les historiens, c'est que nulle part sur les plans, on ne trouve d'indication pour savoir où mènent ces latrines. Eh bien, enfin, grâce à des archéologues, nous le savons et j'aimerais vous le montrer. Voilà, nous nous trouvons ici dans les fosses de latrines, sous la chambre de la duchesse des Temples et donc sous la chambre aussi de François Ier. Mais je vais continuer parce que, regardez, il y a une ouverture. Ah, je retrouve Éric Joanneau. Bonjour. Bonjour Stéphane. C'est la dernière pièce inexplorée du château de Chambord, près de 5 siècles après sa fondation. Quelles sont les découvertes que vous avez faites dans cette fosse qui n'a pas été curée, en tout cas qui a été murée, voilà, sous le règne de Catherine de Médicis? C'est pour ça qu'on peut être à peu près certain que tous ces restes retrouvés là remontent effectivement au XVIe siècle. Quelques petits dés. Ah oui, des dés à jouer, absolument. Voilà, en corne, minuscule, assez émouvant. Un pot à cuire qu'on place dans la braise de la cheminée avec ses petits pieds, et puis on fait un pot au feu. Pas forcément très très bien conservé, mais il y a... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Vous avez là les restes d'un préservatif en boyau animal. De mouton, peut-être? Peut-être. Ces toilettes servaient aussi de poubelle, en fait. C'est un peu le dépotoir. Ça raconte un petit peu la manière dont on vivait à cette époque. Ça peut raconter le quotidien. Nous avons là des coquilles d'huîtres, donc signe qu'on fait venir de l'océan les produits de la mer, même jusqu'ici en région centre. On sait aussi que François Ier, à Chambord, a donné un repas de mi-carême à la mi-carême 1545. Ça, c'est documenté. Et qu'au cours de ce repas, on a mangé des huîtres rôties. On serait tenté de penser qu'il s'agit peut-être de ce repas. Merci beaucoup, Éric Joanneau. Je vous laisse à vos passionnantes découvertes. Moi, je vais remonter à la surface dans l'appartement de Catherine de Médicis pour évoquer une autre femme avec qui Catherine de Médicis avait des rapports très complexes, sa belle-fille, l'épouse de François II de Valois, la célèbre reine d'Écosse, Marie Stuart. En ma fin, j'ai mon commencement, avait dit Marie Stuart. Quoi de plus vrai? De sa mort en février 1587 naîtra un mythe, celui d'une reine martyre qui suscite toujours autant de passion et d'intérêt. Depuis plus de 30 ans, un Écossais marche sur les traces de celle qui fut reine de France et reine d'Écosse et la plus célèbre des belles-filles de Catherine de Médicis. Nell Burns, c'est son nom, possède surtout des facultés de médium dans un pays où les fantômes côtoient parfois les vivants.
Je suis très excité, ça oui. Je cherche à voir Marie, la reine d'Écosse. On va la voir tôt ce matin. Je sens qu'elle sera là. Comptable en semaine et chercheur du fantôme de Marie Stuart le week-end, Nell Burns, en posant son pied sur le petit îlot du château de Lochleven, semble aussitôt faire un saut dans le temps. Comme à chaque fois, il procède au même rituel. En changeant de tenue, Nell Burns quitte le 21e siècle, ici pour l'année 1567, date où Marie Stuart fut incarcérée dans ce château. Concentré, attentif, il est désormais prêt. La reine d'Écosse va peut-être entrer en communication avec lui. C'est merveilleux. Yes, c'est elle. Oh, je suis treasurer. Treasurer. She's there. Elle est là. Je la vois se faire brosser les cheveux. C'est merveilleux. Wonderful, wonderful, wonderful. Merci, merci. Oh, c'est fini. Je suis exhausté. C'est merveilleux. C'est le fantôme de Marie Stuart. C'est arrive. Elle est debout. Nell Burns entretient d'étranges rapports avec Marie Stuart. Elle lui apparaît partout où elle vécut. À chaque vision, Nell Burns ajoute une pièce à son puzzle. Il la revoit dans son contexte, perçoit de nouveaux éléments, parfois même un message. C'était il y a plus de 400 ans et c'est elle qui m'a choisi. C'est extraordinaire. 440 ans après sa mort, le souvenir de Marie Stuart est toujours présent dans les esprits. Reine de France et reine d'Écosse, elle était aussi l'héritière du trône d'Angleterre et croyait pouvoir en déloger sa cousine, la reine Élisabeth. Entre elles, le conflit était inévitable, tous les opposaient. Marie Stuart, la catholique, contre Élisabeth, la bâtarde, la protestante. Deux reines pour un seul trône, il y en avait une de trop. La reine d'Angleterre fait emprisonner Marie Stuart durant 20 ans, avant de la faire décapiter. Un destin tragique qui exalte encore aujourd'hui les Écossais. Nell Burns aime partager ses visions comme ici avec Lord Montgomery, un noble sujet de Sa Majesté dont la demeure suscite l'intérêt de Nell. Bonjour, je suis celui qui cherche Marie Stuart. Vous vous rappelez de moi ? Oui, absolument. J'ai entendu dire que l'on pouvait la voir d'ici. Entrez, je vous en prie. Ah, c'est vraiment gentil. Quelle vue merveilleuse. Oui, là, vous pouvez voir le château de Lochleven. Je suis vraiment envieux, car vous pouvez voir ce château tous les jours, toute l'année. Quand elle m'est apparue dans la tour, elle voulait me livrer un message. Elle m'a demandé de l'aider à s'échapper. Quel endroit magique. Oui, c'est là qu'elle était retenue prisonnière. Je crois qu'elle a essayé de s'évader une première fois. Oui, c'est exact. Ce fut une première tentative ratée. Moi, je ne l'ai jamais vue et je la verrai sans doute jamais. Vous savez, il faut une sensibilité particulière pour y parvenir. Et je ne l'ai pas. Ça ne me surprend donc pas qu'elle ne me soit jamais apparue. J'ai une relation très spéciale avec Marie Stuart. C'est une passion pour moi. J'ai visité tous les endroits où elle a vécu, et dans chacun de ces endroits, je la vois. Elle m'apparaît avec l'âge qu'elle avait dans ce lieu quand elle y a vécu. Je sais beaucoup de choses sur elle, des choses que je ne devrais a priori pas connaître, comme ce qui l'a poussée à prendre certaines décisions. Je pourrais certainement aider les historiens, car au-delà des faits, je connais la réalité du personnage. Elle est là, sur l'endroit exact où se tiendra l'exposition. En France, au musée de la Renaissance, Thierry Crépin-Leblond voue à Marie Stuart la même passion. En revanche, cet éminent spécialiste du XVIe siècle utilise des méthodes plus rationnelles, propres à l'historien. Marie Stuart fera l'objet de sa prochaine exposition. C'est une camarade de longue date. Dès que j'ai commencé à m'intéresser à la façon dont fonctionnait la cour de France, elle est devenue une sorte de personnage central. On a envie de dire presque un personnage mythique. Comment a pu exister cet être qui, pour encore beaucoup d'Anglais,
est une putain, et pour beaucoup de catholiques, est une sainte. Où se situe la vérité? Donc ça reste une espèce d'énigme permanente, et ça c'est complètement fascinant. Pour mieux saisir la psychologie du personnage, Thierry Crépin-Leblond la suit pas à pas sur sa terre natale des Highlands. C'est ici que son destin fut bouleversé. Après le décès rapide de son époux François II, le fils aîné de Catherine de Médicis, Marie Stuart n'est plus reine de France, mais toujours reine d'Écosse. Cette veuve de 18 ans décide, après 13 années passées en France, de revenir au château de Stirling. Stirling, c'est l'Écosse même. On a le paysage, on a le ciel, on a le roc, et sur ce roc, un château qui prend toutes les couleurs de la Renaissance. En fait, c'est le château important des rois d'Écosse. Voilà, nous y sommes. C'est là qu'il se tenait. L'historien s'imprègne du lieu car l'histoire s'est emparée ici de Marie Stuart. Son père, le roi Jacques V d'Écosse, est mort. Marie Stuart est alors couronnée le 9 septembre 1543 dans cette salle. Elle est âgée de 9 mois seulement. Ah, on peut l'imaginer parce que le royaume d'Écosse, ça veut dire un certain nombre de lords qui se rassemblent dans leurs plus beaux atours. Et dans une salle comme ça, ça implique des chants, ça implique de la musique, toute une vie formidable qui a animé cette grande salle l'espace de quelques heures, mais qui a en quelque sorte forgé le destin de Marie Stuart. Son retour en Écosse après son règne français va marquer sa perte. Marie Stuart est abandonnée à son sort. En prison, elle n'a plus rien à espérer, y compris de la France. Car en secret, Catherine de Médicis négocie le mariage de l'un de ses fils avec l'ennemi juré de Marie Stuart, la reine Élisabeth d'Angleterre. La raison d'État l'emporte sur les liens du sang. Catherine de Médicis peut très bien d'une main essayer mollement de sauver Marie Stuart et de l'autre énormément encourager au mariage de François d'Alençon, son dernier fils, avec Élisabeth d'Angleterre. Et évidemment, on ne va pas mettre en l'air tout un patient écheveau de combinaisons politiques simplement pour aller tirer Marie Stuart de sa prison. Marie Stuart passera alors les 20 dernières années de sa vie incarcérée. L'Écosse ne lui a apporté que des malheurs, à l'exception peut-être de ses journées passées ici, au palais de Falkland. Voilà une chambre avec des portraits très importants, très intéressants, je crois, pour votre exposition. Je suis beaucoup plus impatient d'aller voir la chambre de la reine. Ah, alors là, nous pénétrons dans la chambre et nous retrouvons à nouveau Marie Stuart. Ça, c'est la chambre privée où elle passait ses nuits et même passait beaucoup de ses jours. C'est la chambre peut-être la plus importante du palais. Rien n'est laissé au hasard. L'historien mène son enquête. Une anecdote, un détail peuvent apporter des précisions sur la psychologie de Marie Stuart, souvent décrite comme dénuée de sens politique, dominée par sa famille et ses passions amoureuses. Le premier réflexe de l'historien que je suis serait de penser c'était la marionnette de ses oncles, c'était une belle poupée. Et finalement, je crois réellement qu'il y avait une intelligence et une culture derrière ce fantasme romantique. On n'est pas à l'abri d'une découverte. Et le travail de l'historien est de démêler là-dedans. Et elle met où, cette galerie ? À la chapelle. Ah, cette fameuse chapelle, la seule qui soit restée catholique de tous les palais d'Écosse. Oh, oui, c'est ça, vous avez raison. Ça, j'attendais de voir et ça. Nous voilà. Marie Stuart avait en effet conservé sa foi catholique. Mais pour éviter d'importer ici les guerres de religion, elle s'accommoda du choix des Écossais devenus protestants. Sa tolérance religieuse va pourtant lui coûter la vie. Elle perd la confiance de son peuple. Elle a choisi de rester catholique alors que la politique l'aurait poussée à devenir protestante, ce qui est un acte de foi, un acte de courage. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Tout en sauvant sa foi personnelle, elle a laissé les protestants exercer ouvertement. C'est plutôt eux, quelquefois, qui lui ont reproché de rester catholique. C'est ça, c'est ça. Pour Nell Burns aussi, la quête se révèle infinie. Le voici en France, au château de Fontainebleau. Chassée croisée, Nell compte sur une nouvelle apparition de Marie Stuart pour mieux comprendre sa jeunesse passée ici. Ah, searching. Ah, c'est difficile de me concentrer ici. Mais où es-tu ? Marie Stuart a passé en France les meilleures années de sa vie.
même si ses relations avec Catherine de Médicis n'étaient pas toujours au beau fixe. Héritière d'une vieille lignée de nobles écossais, Mary Stuart appelait avec dédain sa belle-mère la marchande florentine. Selon Nell Burns, Mary Stuart aurait dû unir les trois royaumes de France, d'Écosse et d'Angleterre, et peut-être changer le cours de l'histoire. Elle eut tout de même une compensation posthume. C'est son fils, Jacques Ier, qui héritera du trône de l'Angleterre et de l'Écosse, donnant naissance à la dynastie au Royaume-Uni, qui perdure aujourd'hui encore. La reine d'Angleterre actuelle descend de Marie Stuart et non de la reine Elisabeth Ier, parce que elle n'a pas eu de descendance. C'était la reine vierge. Marie Stuart a donc eu sa revanche. Elle est en paix. Je suis heureux de vous faire découvrir le château de Chaumont-sur-Loire, l'un des plus beaux, avec cette vue plongeante sur la Loire, mais aussi un château qui a marqué l'histoire par cette lutte entre Catherine et Diane. Catherine de Médicis achète le château de Chaumont-sur-Loire en mars 1550 et à la mort de son époux Henri II, le 10 juillet 1559, elle oblige sa rivale, Diane de Poitiers, à échanger le château de Chaumont-sur-Loire avec la propriété qu'avait Diane de Poitiers à Chenonceau. C'est pas pour des raisons financières qu'elle fait cet échange, parce que c'est vrai qu'à l'époque, un château, c'est pas seulement une bâtisse, mais c'est aussi les terres et les fermes. Et Chaumont rapportait un tiers de plus que celle de Chenonceau. C'est pas du tout donc une question financière, mais une question politique. La reine Catherine de Médicis veut montrer que le pouvoir a changé de main. C'est elle aujourd'hui qui a les cartes en main et qui veut imposer sa loi à Diane de Poitiers. Franck Ferrand, nous pénétrons maintenant dans la chapelle qui est désacralisée du château de Chaumont. Vous êtes le spécialiste de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis. Franck, les deux femmes, elles étaient partenaires ou elles étaient rivales? D'abord, au départ, elles sont parentes, ce qu'il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire que leurs grands-parents respectifs sont frères et sœurs, les Latour d'Auvergne. Et c'est Diane qui, avec son mari, va convaincre François Ier de marier l'un de ses fils, Henri en l'occurrence, le deuxième fils, de le marier à cette Médicis, qui était un peu une banquière aux yeux de la cour de France, hein, mais enfin, qui était la nièce d'un pape. Ah oui, ça jouait à l'époque. Ça aide, évidemment. Et Diane a milité, a œuvré en faveur de cette union, et ensuite elle a soutenu Catherine. Et au moment où, pendant tant et tant et tant d'années, Catherine n'arrive pas à donner d'enfant à son mari, et où tout le monde à la cour dit qu'il faut la renvoyer de l'autre côté des Alpes, il faut la renvoyer dans son Italie natale, c'est Diane qui la soutient, c'est Diane qui la protège. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Diane a beau avoir 20 ans de plus qu'Henri, elle est sa maîtresse. Et elle se dit qu'il vaut mieux avoir comme rivale, en quelque sorte, cette Catherine de Médicis qui ne lui fait pas tellement d'ombre, plutôt qu'une belle et jeune princesse dont, après tout, le prince pourrait tomber amoureux. Ah, donc là, Franck, nous entrons dans la chambre de Catherine de Médicis. Celle qui l'était, en tout cas, parce qu'on ne reconnaît rien de l'époque. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'en reste pas grand-chose, mais il reste les lieux. Il reste les lieux. Et puis, son portrait, tout de même. Elle a une drôle d'image. C'est vrai qu'elle aimait les mages, les astrologues. Oui, vous savez, cette passion, elle l'a aussi contractée à cause de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette longue période pendant laquelle elle attend un enfant. Donc elle ne savait pas à quel sein se vouer et elle a tout essayé, y compris la magie, bien entendu. Alors, ce qui est fou, c'est que là, dans sa chambre, il y a une double entrée. Il y a d'un côté, on arrive dans la chapelle et immédiatement, de l'autre côté, il y a une autre porte qui mène là à la chambre de son mage, de son astrologue, Koum Rougieri. Personnage mythique pour tous ceux qui s'intéressent à Catherine, puisqu'il était son astrologue personnel. Et d'ailleurs, regardez à quel point... Il dormait à quelques mètres d'elle. Elle l'avait sous la main. Dans votre livre Les Fiches de France, vous racontez une anecdote, une histoire qui s'est passée ici. C'est une séance un peu spéciale de cristallomancie. La cristallomancie, c'est l'art de lire l'avenir dans les miroirs. On donne à voir à la reine le visage de ses enfants, alors d'abord du jeune roi François II, et puis ce reflet se déplace, se lève vers la cheminée, fait un tour de la pièce et disparaît. Et puis apparaît dans le miroir un autre visage, celui de son deuxième fils Charles, qui va devenir le roi Charles IX, et cette fois le reflet fait plusieurs fois le tour. Parce que ce qu'explique le mage à la reine, c'est que chaque tour représente une année de règne.
Vous imaginez cette mère anxieuse qui espère que ça va tourner le plus longtemps possible et qui espère découvrir dans ce miroir des visages qu'elle ne connaît pas, qui seraient ceux de ses petits-enfants et successeurs de ses enfants. Non, en fait, après les 14 tours de Charles, c'est au tour d'Henri, Henri qui va être le roi Henri III. Lui va faire également une quinzaine de tours et puis s'en va, si je puis dire. Et ensuite, ensuite... Ça, c'est terrible parce qu'apparaît dans le miroir un visage inconnu pour Catherine qui sera en fait le visage d'Henri de Navarre, le futur Henri IV. Changement de dynastie, c'est-à-dire après les Valois... Les Bourbons. Alors, ce qui est fou quand on replonge dans l'histoire de Catherine de Médicis, c'est son amour, en tout cas son intérêt pour l'astrologie, pour les mages, pour les voyants. Et c'est ce qui explique le grand pouvoir de Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus. Bibliothèque nationale de France, salle Richelieu. Ici se trouve le plus célèbre des talismans, celui de Catherine de Médicis. Truffée de symboles ésotériques, cette médaille est un véritable témoin de sa passion pour les sciences occultes. Pierre Béard est le seul historien à l'avoir entièrement décryptée. Catherine de Médicis utilisait cette médaille sans doute en la portant et en lisant les formules conjuratoires qui bordaient cette médaille aussi bien sur l'avers que sur le revers, et qu'il demandait essentiellement de lui accorder la force et d'autre part de tenir son époux éloigné des influences d'une femme étrangère, entendons Diane de Poitiers. L'astrologie était une croyance répandue, puisque ce n'était pas une croyance comme ce qu'elle peut être aujourd'hui, mais on estimait que c'était une science, que c'était la vérité. À la Renaissance, la différence entre science et non-science, science et magie, science et religion, science et superstition, ça n'existe pas. Catherine de Médicis se servait de l'astrologie parce qu'elle était persuadée que les astres déterminaient le cours du monde. D'ailleurs, tout le monde pratiquement le faisait à cette époque. Et Catherine, très superstitieuse, utilise surtout cette science pour gouverner. Les astrologues étaient au centre de la vie politique. Ils étaient les seuls à proposer une vision globale et ordonnée du monde. Lorsque ces astrologues lui disaient que tel jour ne serait pas favorable, il est évident qu'il l'influençait parce qu'elle croyait que la situation du ciel, objectivement, ne lui était pas favorable. Parmi tous les astrologues de la reine, il y a son fidèle Ruggieri et surtout Nostradamus, considéré comme l'un des plus grands prophètes de tous les temps. Dans les Ceinturises, qu'il publie en 1555, on retrouve un condensé de ses prédictions. L'une d'entre elles va le rendre célèbre. Le 29 juin 1559, Henri II meurt accidentellement lors d'un tournoi, l'œil droit transpercé par la lance de son adversaire. Il meurt 10 jours plus tard dans d'atroces souffrances. Or, 4 ans plus tôt, Nostradamus décrit cet événement dans un quatrain, avec une incroyable précision. Il prédit la mort d'un roi blessé aux yeux lors d'un duel. Dès 1560, les contemporains remarquent qu'il y a, dans un quatrain de Nostradamus, un certain nombre d'éléments qui pourraient coïncider avec le récit de la mort d'Henri II. La réputation de l'astrologue gagne vite les plus hautes sphères du royaume. La reine Catherine le fait venir à la cour, la légende du mage est en route. Ce qui fait l'originalité de Nostradamus, c'est qu'il avait une forme de génie. Il avait une imagination délirante qui lui permettait de transformer ses intuitions ou ses calculs astrologiques en formulations qui fascinaient les esprits. C'est vraiment, pour moi, le plus grand astrologue qui était à la fois voyant, d'ailleurs. Personne ne peut se rendre compte à quel point il a été fantastique. Vous savez qu'il a nommé des planètes qu'on ne connaissait pas à l'époque. À plusieurs reprises, il parle de Neptune et il donne dans un de ses quatrains la configuration céleste sous laquelle Neptune va être découvert. C'est hallucinant, en 1846, alors qu'il est en 1550. C'est dément. Il découvre de nouvelles planètes et prédit toutes sortes d'apocalypses. C'est du moins ce que disent les passionnés d'astrologie. Il aurait prédit l'arrivée au pouvoir d'Hitler, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, ou plus proche encore, les attentats du 11 septembre 2001. Des prédictions pourtant difficiles à décrypter. Nostradamus écrit dans un style volontairement obscur. Il considère que ce qu'il dit, ça n'est rien moins que l'ordre du monde. C'est le secret du monde enfin révélé.
Et donc cette vérité ne doit pas être accessible à tous. Mais c'est ce style d'écriture qui va justement faire le succès du mage. C'est peut-être l'auteur qui a été le plus commenté dans le monde, Nostradamus. C'est complètement hallucinant. Et chacun a sa petite interprétation, son glossaire, son dictionnaire. Peu d'autres prophètes ont eu le génie d'inventer une langue, d'inventer un art poétique. Et tout ça, je crois, quand même, a beaucoup contribué à sa postérité. Catherine consulte toutes sortes d'astrologues, mais elle ne se sépare jamais de Comme Ruggieri, son mage personnel venu de Florence, comme elle. Très vite, Ruggieri a gagné la faveur de Catherine de Médicis. Et il a fait des thèmes astro, il a fait des horoscopes qui ont fasciné Catherine de Médicis. Ruggieri est celui qui, semble-t-il, a eu le plus de rôles, et en privé, mais aussi d'un point de vue politique. Ruggieri, sa fonction vraisemblablement essentielle était de dire de jour en jour à Catherine de Médicis si la journée allait être favorable ou défavorable pour elle. Pour mieux comprendre le rôle quotidien de Ruggieri auprès de la reine, il faut se rendre ici à Paris, au pied de cette colonne qui jouxte la Bourse du Commerce. C'est le dernier vestige qu'il reste de l'hôtel particulier de Catherine de Médicis, bâti en 1572. Le palais a été détruit comme tous les vieux immeubles aux alentours. Il ne reste ici du XVIe siècle que cette colonne de 32 mètres d'où Ruggieri observait les astres. Fermé au public et encore jamais filmé de l'intérieur, ce lieu est aussi mystérieux que méconnu de la capitale. Au bout de quelques marches, première découverte. Bien, alors, là vous avez deux passages aujourd'hui muré, vers l'hôtel de la reine. On continue la visite. Les murs sont recouverts de graffitis. Certains sont très anciens, comme celui-ci datant de 1601. Alors qu'il découvre plus haut un second accès, Pierre Béard aperçoit soudain un symbole ésotérique. Ici, vous voyez un cercle et là un deuxième cercle. Ce sont deux cercles parfaits, l'un dans l'autre, des cercles concentriques, qui sont peut-être un dessin d'origine. Ça, c'est possible. Ça n'a pas l'air d'être un graffiti ultérieur. À la Renaissance, le ciel est toujours représenté par cette forme circulaire. Et plus on est haut, mieux on le voit. C'était une tour astronomique destinée à élever l'observateur au-dessus des fumées de Paris afin d'avoir tous les soirs, quand il n'y avait pas de nuages, un ciel clair. Catherine et son mage observaient encore les astres à l'œil nu. 40 ans après la mort de la reine, Galilée révolutionne la discipline en inventant la lunette astronomique. Je vous propose maintenant de découvrir le château de Chenonceau par une entrée tout à fait inédite. C'est la rive sud du Cher. Nous découvrons à présent cette grande galerie voulue par Catherine de Médicis et qui n'est pas sans rappeler le Ponte Vecchio de Florence, sa ville natale. Son trône était côté sud, là-bas, et elle avait institué un protocole qui mettait immédiatement ses visiteurs, même les visiteurs de marque, dans une situation tout à fait inconfortable. Elle exigeait qu'après avoir fait leur salutation à la reine, eh bien, ils se retirent en marchant à reculons pendant 60 mètres, en s'inclinant respectueusement, si bien qu'ils étaient, eux, dans une situation tout à fait humiliante, et on peut imaginer que le spectacle pour elle était extrêmement jouissif. Par cette porte, Catherine de Médicis pouvait quitter son cabinet de travail et entrer directement dans la chapelle du château de Chenonceau. Alors, elle entrait par cette porte et elle pouvait assister à la messe, mais imaginez que souvent, il y avait ici des courtisans et il y avait beaucoup de monde. Alors, elle avait trouvé un moyen de prier sans être vue ni entendue. Elle empruntait cet escalier dérobé que jamais le visiteur ne peut emprunter et que nous allons pouvoir utiliser. Suivez-moi. Alors vous imaginez, vu l'étroitesse des lieux, la difficulté pour la reine Catherine eh bien d'entrer, parce que imaginez les robes qu'on portait à l'époque. Et donc au sommet de cet escalier, eh bien, il y a la tribune qu'utilisait la reine.
pour assister ni vue ni connue eh bien, à la messe. Et c'est là qu'elle venait prier 5 à 6 fois par jour. À la mort de Catherine de Médicis, en janvier 1589, c'est son fils, le roi Henri III, et son épouse, Louise de Lorraine-Vaudémont, qui héritent de ce château de Chenonceau. Mais très vite, Jacques Clément va assassiner Henri III, nous sommes en août 1589, et Louise de Lorraine-Vaudémont se trouve veuve, complètement dépressive, malheureuse, elle aimait son mari, et elle s'enferme ici, au château de Chenonceau. Vous voyez sa chambre où elle s'est repliée, qui est complètement funèbre. Vous voyez ici la couronne d'épines, qui n'est pas sans rappeler la couronne d'épines du Christ. Il y a ici les pelles de fossoyeurs, et puis enfin, cette corne d'abondance inversée, renversée, pour montrer qu'elle avait une vie peu prospère et qu'elle avait été surtout infertile. Le vœu de Louise de Lorraine-Vaudémont sera exaucé après sa mort en 1601, puisque sa belle-sœur, Madame de Mercœur, va transformer le château de Chenonceau en couvent pour des nonnes capucines. C'est le privilège de cette émission de vous entraîner dans un endroit où nul visiteur ne peut entrer. Et pour la première fois, une caméra pénètre. Nous sommes ici, au-dessus, dans les combles du château de Chenonceau, au-dessus des appartements, là où Madame de Mercœur a respecté le vœu de sa belle-sœur, Louise de Lorraine-Vaudémont, en installant dans les combles du château de Chenonceau les nonnes capucines. J'aimerais à présent vous faire découvrir leur domaine. C'est tout à fait unique, regardez. Nous sommes ici dans les combles du château, et il y a ce pont-levis tout à fait incroyable et surprenant. En général, un pont-levis est là pour empêcher que l'on traverse les douves à l'extérieur du château. Mais il se trouve ici à l'intérieur des combles. C'est en fait pour protéger la réputation des nonnes capucines contre les mauvaises pensées et peut-être les mauvaises intentions des villageois. Je vous montre le mécanisme qui marche toujours depuis le XVIIe siècle. Voici. Bon, ben, c'est une barrière en tout cas plus symbolique que réelle. Mais regardez où vivaient les nonnes. J'aimerais vous montrer à présent leur chambre. Et voilà, nous pénétrons maintenant dans le dortoir, ce qui devait être le dortoir des nonnes capucines, avec quelques signes tangibles de leur présence. D'abord ici, le crucifix, la marque du crucifix sur le manteau de la cheminée, l'inscription INRI au-dessus de la porte. Et peut-être là, regardez, on imagine, il devait y avoir des lits et au-dessus, eh bien, elle pouvait inscrire un psaume ou un verset de la Bible. C'est ici que les nonnes capucines priaient pour le salut de l'âme de leur bienfaitrice, Louise de Lorraine-Vaudémont, la reine blanche, la dernière des Valois, une famille maudite et qui pourtant a régné 250 ans sur la France. Catherine de Médicis n'a qu'une obsession, transmettre le pouvoir à ses enfants. Mais la malédiction s'abat sur cette famille, sur cette dynastie des Valois qui va disparaître, faute d'héritier. Folie, assassinat, inceste ou trahison, les enfants de Catherine sont pour elle le pire de ses échecs. Ils se dévorent entre eux, ils s'auto-dévorent, et il y a cette grosse araignée qui est Madame Catherine, qui les prend tous dans son filet, filet d'amour et filet de haine. C'est une famille qui est marquée par le destin, en raison des décès successifs. François II meurt à 17 ans d'une otite. Charles IX meurt à moitié fou. Henri III meurt assassiné. La fin des Valois est une fin qui rappelle Shakespeare d'une certaine façon. C'est une famille terrible où il y a une part de folie, syphilis, tuberculose, inceste, beaucoup de choses. Pourtant, tout semblait commencer sous les meilleurs auspices. L'union de Henri II et de Catherine donne naissance à 10 enfants. Ils sont élevés comme des princes à l'abri du danger. Alors 10 enfants, évidemment, ça suppose une intendance relativement importante. Et Amboise, c'est à ce moment-là, évidemment, la nurserie royale. C'est vraiment une fonction importante parce que ce château est réputé sain et sûr. C'est une mère très attentive. C'est une sorte de mamma italienne, très préoccupée du devenir de ses enfants et surtout de leur santé. C'est une mère qui ne peut pas toujours être présente parce qu'elle a un rôle de représentation et parce qu'elle a un rôle politique, mais elle souhaite avoir toujours sur elle une représentation de ses enfants, le visage de ses enfants.
Oui, on a ici tous les dessins de Jean-François Clouet qui ont été acquis par le duc d'Aumont. Catherine, la femme de pouvoir, ne cesse en fait de réclamer des portraits de ses enfants. Elle veut des dessins faits au crayon pour qu'ils soient réalisés rapidement et suivre ainsi leur évolution. Alors Clouet s'intéresse surtout à la ressemblance du visage, un costume à peine esquissé. Cette collection, conservée au château de Chantilly, est un véritable album de famille, mais qui sera très vite marqué par les querelles et la mort. François, Élisabeth, Claude, Charles IX et les autres, Catherine les verra presque tous mourir. Le premier sur la liste est François II. De son père, il hérite du trône, mais des Médicis, il en conserve une santé fébrile. C'est un gringalet, très maigre, très fragile, des taches un peu bizarres, rouges sur la face, l'oreille purulente en permanence. C'est pas réellement un bel âtre. Il y a une faille dans la famille sur le plan héréditaire, très certainement. Roi 18 mois seulement, François II meurt à 17 ans. Comme un signal, sa disparition rapide annonce la tragédie. Son successeur, Charles IX, n'a alors que 10 ans. Les guerres de religion divisent le pays. La gangrène atteindra bientôt la famille royale. Catherine doit prendre les rênes du pouvoir et gérer sa progéniture. Ils sont dans des camps différents. Henri III, par exemple, est dans le camp catholique. Le dernier fils est dans le camp des plus ou moins alliés avec les protestants. Et elle essaye de maintenir la paix entre eux et de maintenir des alliances entre eux, ce qui est extrêmement difficile dans le contexte politique de l'époque. Ce que veut Catherine, c'est sauver la dynastie des Valois. Catherine rêve d'étendre la dynastie des Valois à toutes les cours européennes. Elle marie ainsi sa fille aînée, Élisabeth, au roi d'Espagne, Philippe II. Catherine vit dans la déchirure, partagée entre l'affectif et la raison d'État. Mais cette stratégie vise autant à asseoir son pouvoir qu'à éviter les jalousies entre ses enfants. Tu as de la chance. Tu vas trouver là-bas un pays en paix. Cette famille est intéressante parce qu'elle est un outil, encore une fois, de pouvoir pour Catherine. Elle ne les joue pas les uns contre les autres. Elle tente de ce que chacun accomplisse le rôle qui lui est dévolu au service de cette gloire de la dynastie. C'est donc une mère d'une grande humanité, mais il fallait qu'il se plie à sa volonté. Marguerite, dite Margot, la dernière des filles, va en subir les conséquences. Au nom de la concorde entre catholiques et protestants, elle est sacrifiée, mariée contre son gré à Henri de Navarre. Un mariage qui tourne au drame de la Saint-Barthélemy et qui marque la rupture entre Margot et sa famille. Tu peux être fier. Oui, tu peux être fier. Tu es le roi d'un pays où plus rien ne s'agite, hormis des pendus au gibet. Paris est un cimetière. Tes sujets sont des morts couverts de terre, Margot, des vivants couverts de honte. Et vous, vous qui êtes toujours si inquiète pour vos fils, vous pouvez être tranquille. Ils sont maudits pour l'éternité. Et moi aussi, je suis maudite. Pourquoi ? Parce que vous avez invité vos victimes à mes noces. Vous vous êtes servi de moi, vous vous êtes servi de nous comme un peuple carnage. Catherine de Médicis, elle aime trop ses fils et elle n'aime pas Margot qui est terriblement rebelle. Margot la détestera jusqu'au fond et au bout de ses cendres. La fameuse reine Margot est une jeune fille extrêmement cultivée, belle, savante, qui collectionne les amants et qui les affiche surtout. Donc qui mène une vie qui ne convient pas à Catherine. Il ressort des écrits de Marguerite de Valois qu'elle craignait énormément sa mère, qu'elle l'aimait, mais qu'elle la craignait, qu'elle ne se sentait pas assez aimée, qu'elle avait l'impression qu'on n'avait pas confiance en elle. Amour, haine, passion, la famille royale est dérangée jusqu'à l'inavouable, jusqu'à l'inceste. Chien, on coucherait aussi bien avec un palefrenier. C'est pas vrai. Il la tourmente, il la jette par terre, il relève ses jupons. L'inceste règne, ils en veulent de cette petite sœur. Il y a une dégénérescence sur les enfants valois. Après la maladie, les rancœurs et l'inceste, la folie vient désormais s'ajouter à ce tableau déjà sombre. Il faut en finir! Sous l'emprise de sa mère, Charles IX est resté pour l'histoire un roi faible et hystérique, bourreau de la Saint-Barthélemy et mort fou, hanté par le remords à l'âge de 24 ans seulement. Henri III lui succède. Il représente l'espoir, celui qui pourra peut-être enfin sauver l'unité du royaume et la dynastie des Valois. Catherine a un préféré. C'est Henri, c'est le futur Henri III. C'est celui qu'elle appelle « mes yeux ». Celui à propos duquel elle dit « si vous mourrez,
j'irai m'enterrer vivante avec vous. Il y a longtemps que je n'avais eu le bonheur de me serrer contre vous. Vos chers visages me manquaient. Elle fait confiance à ce fils parce que il est grand, il est beau, il est éloquent, il est doué. Il semble réunir sur sa tête toutes sortes de qualités. Mais Henri III a aussi son point faible, sa fracture. Sa personnalité est ambiguë. Il s'entoure de jeunes nobles, ses célèbres mignons. Une cour proche et fidèle qui annonce la décadence. Ses tendances homosexuelles sont très fortes. Il porte les robes de la reine Margot en lui disant « Voilà, ça c'est très bien comme ça. C'est lui qui a mis à la mode les pendants d'oreilles. » Il est, si vous voulez, il est extrêmement efféminé dans toute son allure. Il adore les beaux tissus, les satins, etc. L'image que l'on a d'un roi idéal, c'est un roi guerrier, combattant. Henri III, tant qu'il était prince héritier, a correspondu à cette image. Et puis lorsqu'il devient roi, aux surprises, il se transforme en roi intellectuel qui s'enferme dans son cabinet, qui n'aime pas la chasse. Et ça, ça déconcerte complètement les contemporains. Et c'est certainement l'un des points de départ qui en fait un roi efféminé, dégénéré, incapable de gouverner. Un roi que l'on critique de plus en plus violemment. Et c'est son propre frère, François d'Alençon, le seul qui ne sera jamais roi, qui se place en embuscade et prend la tête du parti des mécontents. François d'Alençon, c'est incontestablement le plus remuant de la famille. Et il n'a pas eu de chance puisqu'il a un physique ingrat. Il souffre beaucoup de l'aisance d'Henri III, du brillant d'Henri III, lui qui n'a pas toutes ses qualités. Henri III a été le principal opposant à son frère Charles IX et ensuite le duc d'Alençon, le petit dernier, le jaloux, l'aigri, a joué ce rôle d'opposant à son frère Henri III. Ces divisions sont un fait lié au jeu politique à la cour de France. Les cadets s'opposent à l'aîné qui exerce la fonction royale. Je remercie Dieu, ma mère, d'avoir mis fin aux folies de mon frère. Henri, mon doux fils, pourquoi vous emportez encore contre lui ? Jamais aucun de mes sujets ne m'a causé autant de déplaisir que ce malheureux frère. Jusqu'à la fin, Catherine aura tout tenté, tout essayé pour pacifier le pays et sa famille déchirée. Mais rien n'y fait. C'est dans le sang que se joue le dernier acte de cette tragédie. Henri III, qui cherche à s'émanciper de sa mère, est de plus en plus isolé. Surtout, il est sans enfant, sans héritier. Le duc de Guise, le puissant chef du parti catholique, est un prétendant au trône. Henri III décide avec ses mignons de l'assassiner au château de Blois. Un crime lâche, indigne d'un roi qui discrédite à jamais les Valois. Guise entre dans la chambre, des gardes du roi sont déjà là, il lui emboîte le pas, il traverse la pièce et au moment où il s'aperçoit que dans l'embrasure de la porte, d'autres gardes lui barrent le chemin, il a tout compris. Il est dans une souricière, mais là il est percé de coups de poignard et de dagues, il s'écroule sur le sol. Henri III, qui est dans le cabinet voisin, s'approche et il aurait prononcé cette phrase « Il est encore plus grand mort que vivant ». À l'étage en dessous, Catherine a tout entendu, tout compris. La reine-mère peut refermer son livre d'or, pleine de regrets. Sa politique de conciliation a échoué. Elle meurt 2 semaines après, à 70 ans. Quelques mois plus tard, Henri III sera assassiné. C'en est fini de la dynastie des Valois. C'est à la Renaissance que tous les codes culinaires changent également. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'utilisait pas de serviette, par exemple. On s'essuyait avec la nappe. Et puis, la serviette arrive, alors on vous la mettait sur l'épaule, ensuite vous la mettiez autour du cou. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait des grandes fraises. Quand on avait des fraises un peu démesurées pour impressionner et qu'on avait une serviette pas assez grande parce qu'on n'est pas encore très riche, eh bien, on n'arrivait pas à joindre les deux bouts, d'où l'expression populaire de ne pas joindre les deux bouts. C'est que vous viviez au-dessus de votre fortune. On n'avait qu'un couteau, on ne se servait pas de fourchette. C'est grâce à Henri III, après un voyage à Venise, qu'on importe la fourchette en France. La fourchette a 2 dents. Alors, nous avons une table tout à fait représentative de la Renaissance. Vous trouvez la carpe,
Vous avez également un chaud du mai qui est une sorte de matelote d'anguille. Là, vous avez un porcelet aux herbes, un faisan. C'est important le faisan parce que toutes les volailles étaient très prisées parce que plus un animal volait dans le ciel, plus il était près de Dieu, donc la nourriture était noble. Vous avez ici l'anguille, vous avez l'huître qui était réputée aphrodisiaque, disait-on, c'est une légende. Hein. Ici, vous avez du vin d'Hippocrate. C'est un vin aux épices. Il y a dedans des clous de girofle, il y a de la cannelle, il y a du sucre, évidemment. Mais à partir du XVIIe siècle, on va abandonner ces vins trop mélangés à des épices au profit des vins du Val-de-Loire. Sur cette table, nous avons disposé en pyramide, comme cela se faisait à la Renaissance, eh bien, tous ces nouveaux produits importés, l'ananas, les écrevisses, les asperges, la tomate. Mais la tomate ne se consommait pas, elle était purement décorative. De même que l'aubergine, on était plutôt effrayé par la couleur de l'aubergine et on hésitait à la consommer. Ici, vous avez de la reine Claude. Alors la reine Claude est en fait un cadeau du sultan ottoman, Soliman le Magnifique, qui envoie à François Ier de superbes pruniers. Et on l'a appelé, ces prunes, les reines Claude, en hommage à la reine Claude de France, l'épouse de François Ier. Mais surtout, la plus grande richesse à cette table, eh bien, c'est ce pain de sucre. Ce pain de sucre représente, à l'époque, une mine d'or. Et c'est pas peu dire, parce qu'un gramme de sucre vaut un gramme d'or. Joie, yes, bonbons. Franche ripaille et franche lipéferée. Avons pour vous, noble assemblée, concocté fin foie gras, frais, macéré toute une nuitée en vin épicé. Or ça, mes amis, soyez les bienvenus. Et bon appétit. Il n'y a pas de meilleure entrée pour comprendre les mœurs et les mentalités de la Renaissance que de s'inviter à la table de cette époque pour en retrouver le goût. Faut-il pour autant avoir l'estomac d'un gargantua ? Rabelais ne nous aurait-il pas induit en erreur avec son héros plus gourmand que gourmet ? À sa façon, Stéphane Sauzin tente de combattre l'indigestion de ses préjugés qui persistent autour de la cuisine du XVIe siècle. C'est vrai que c'est une cuisine qui mérite d'être mise en scène. Elle est si tant riche en couleurs, en épices, en herbes, enfin toujours des goûts déclarés nouveaux ou différents. C'est une cuisine évidemment qui accorde facilement un autre costume que celui porté par les chefs du jour d'aujourd'hui. Il est donc temps de remettre le couvert et de faire notre marché avec quelques convives avertis. Conservateur au potager du roi du château de Versailles, Antoine Jacobson est un spécialiste des fruits et légumes anciens, parvenu jusqu'à nos papilles. Pour accommoder ces ingrédients, l'historien Pascal Brioste, spécialiste des innovations de la Renaissance, apportera une pointe d'épices au menu concocté par Marie Imann. Cette américaine est la mémoire de la gastronomie française. Elle a retrouvé des centaines de recettes de la Renaissance. Les gens s'imaginent que la cuisine ancienne est vraiment très très simple, c'est pratiquement rien du tout. Non, c'est très élaboré. Ce qui est surprenant au départ, c'est qu'on n'hésitait pas du tout à mélanger le sucre dans un plat, disons, salé. On pourrait dire que la cuisine du XVIe siècle ressemble peut-être assez à la cuisine indienne ou à la cuisine nord-africaine. Dans ce siècle que l'on dit renaissant, l'esprit de curiosité est dans l'air du temps. La gastronomie n'échappe pas à la règle. Elle profite d'une amélioration des échanges commerciaux. La nouveauté, c'est que la multiplication des voyages maritimes rend accessible des épices de plus en plus diversifiées. Et ça influence la gastronomie parce que ce qui était réservé jusque-là aux tables aristocratiques de finalement se démocratise relativement. Alors là, je crois que j'ai vraiment l'essentiel des épices consommées à la Renaissance. La cannelle, très importante dans les sauces camelines, des épices un petit peu moins fréquentes, l'anis étoilé, la cardamome, et l'épice la plus onéreuse du marché des épices de la Renaissance, le clou de girofle. Dans les cales du navire de Magellan, il y avait suffisamment de clous de girofle pour payer finalement l'ensemble du voyage. En plus des épices, les cales des bateaux venus du Nouveau Monde rapportent des denrées nouvelles. Mais dire que la récente découverte de l'Amérique modifie les habitudes alimentaires est un peu précipité.
Parmi les plantes américaines, il y a les courges, il y a les haricots, les phaseolus, il y a les topinambours, il y a la pomme de terre, il y en a une, il y a la tomate. Tout n'est pas consommé tout de suite, mais ces plantes sont connues tout de suite, ou quasiment tout de suite, très rapidement après les découvertes. Proche de certaines plantes toxiques que l'on trouve en Europe, la tomate est d'abord considérée comme un poison. Il lui faudra plus d'un siècle pour entrer timidement dans la composition des sauces. En revanche, on sélectionne des plants de maïs, de haricots ou de courgettes qui s'implantent assez rapidement. D'autres arrivent d'Italie. En fait, l'art de la table répond à des règles qui peuvent surprendre aujourd'hui. À la Renaissance, on préfère manger un volatile plus proche du ciel et de Dieu que le bœuf. Le fruit a plus de noblesse qu'une racine ou un tubercule, une carotte ou un oignon. Surtout à cette classification verticale et très hiérarchisée des aliments, s'ajoute une conception de la diététique des plus étonnantes. Les techniques gastronomiques de la Renaissance sont totalement gouvernées par la théorie des humeurs, qui consiste à considérer que les éléments se répartissent selon le chaud, l'humide, le sec et le froid. Les viandes, mais aussi les poissons, les légumes et les fruits, sont classés selon cette théorie. Cela n'a rien à voir avec la température ou la cuisson. D'ailleurs, au XVIe siècle, on a tendance à cuire tous les aliments, et deux fois plutôt qu'une. Aux humeurs de froid, humide, sec et chaud correspondent pour l'être humain les tempéraments de mélancolique, phlegmatique, colérique ou sanguin. Ainsi, dans les banquets, tous les plats sont servis en même temps. À chacun de piocher et de trouver son équilibre. Il y avait cette idée d'essayer de corriger les défauts des aliments. Donc, pour une viande à tempérament ou à humeur froide, comme le bœuf ou le porc ou quelque chose comme ça, on va demander des épices très fortes comme le poivre, qui sont très chaudes, le gingembre, le vinaigre, pour corriger et essayer de trouver une sorte d'équilibre. Comme ça, on n'aura pas d'accident mortel ou quelque chose comme ça, dû à une mauvaise digestion. Qu'on craignait vraiment très très fort. Cuisine et médecine sont intimement liées à la Renaissance. Le sucre, qui est alors considéré comme une épice, possède, dit-on, des vertus médicinales. Blanc donc pur, on le met à toutes les sauces pour compenser l'excès des humeurs et égaliser les autres épices. D'ailleurs, le célèbre astrologue et médecin Nostradamus est aussi un confiseur. Manger à la Renaissance, c'est presque avant tout se soigner. Alors on s'écoute, on s'ausculte. Aujourd'hui, quand nous, on est malade, on va chez le médecin, il y a une prise de sang. Au XVIe siècle, vous allez vous-même sentir vos urines ou quand vous avez des envies d'amertume ou de acre, vous allez chercher des plantes dans votre jardin, sur le chemin, dans la forêt, pour assouvir ce désir, ce goût. Pour mettre toutes ces variétés en sauce, c'est Yves Pinard qui sera derrière les fourneaux. Il est chef cuisinier au restaurant du Louvre. Une place qui a généré en lui le désir de déguster l'art pour retrouver les saveurs anciennes. Est-ce que vous le sentez, ce tableau ? Est-ce que vous le sentez, ce tableau ? Regardez ce qu'il y a sur la table. Il y a des huîtres sur la table, il y a des cotignacs, des dragées. Avec l'apparition du sucre que les Italiens maîtrisent ô combien à ce moment-là, il y a sur la table là des confitures sèches. Des confitures sèches telles qu'on les fait encore dans la région d'Orléans. Ça parle. C'est l'histoire, c'est le patrimoine qui nous appartient. Et ça permet de comprendre notre histoire de la cuisine. Et mon Dieu, pour moi, c'est au-delà du bonheur. Avec Marie Imane aux commandes, Yves Pinard expérimente quelques recettes Renaissance. Au menu, salade d'oignons cuits entre deux cendres, soupe à la capilorde et pigeon confit. Entre deux cendres, alors pourquoi entre deux cendres ? Une des façons de faire cuire, c'était d'étaler une couche de braise rouge. Ouais. Là-dessus, on mettait une couche de cendre froide, ouais. On posait les légumes, on recouvrait d'une autre couche de cendre, ça concentre tous les jus, les sucres, c'est absolument délicieux. Waouh ! Marie ! C'est beau, hein ? Bah ouais. Place à la dégustation. Comme à leur habitude, nos quatre experts se retrouvent autour d'une table, mise en bouche. On salive, on goûte, on découvre, on juge. Moment de vérité. Il faut goûter ça. C'est bon. Il y a la goutte de l'acidité. Ouais. Il y a la douceur de l'oignon. Oui. Mais en même temps, le côté piquant à la fin. Moi, j'aime cette acidité. C'est-à-dire que les fruits d'aujourd'hui, les gens veulent du sucre et du doux. Tandis que là, au XVIe siècle, ils sont encore prêts à se faire titiller les papilles.
Peut-être que ce qu'on a mangé aujourd'hui ne ressemble que, bon, de très loin à ce qu'on mangeait à la Renaissance. C'est un peu la chasse au trésor. C'est ça l'histoire pour moi. On ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. Moi, je trouve ça passionnant. Je vous présente une buse de Harris qui s'appelle Java. Elle fait partie des équipages de rapaces de Paul Lefranc, grâce auxquels, eh bien, on chasse toujours comme on chassait avec la fauconnerie au XVIe siècle. Les méthodes n'ont pas changé. François Ier et Catherine de Médicis, sa belle-fille, avaient un point commun, pas seulement les arts et la littérature, mais aussi la chasse. Ils avaient plusieurs centaines de rapaces dans leur château. Il faut dire que la fauconnerie était un art au XVIe siècle qui était extrêmement prisé par la noblesse. L'autre passion qu'avaient en commun le roi François Ier et Catherine de Médicis, c'était la chasse à cour. La reine pouvait chasser des jours durant derrière un cerf ou un sanglier avec le roi François Ier sans jamais s'épuiser. Et c'est elle, du reste, qui a importé en France cette façon de monter qu'on appelle en Amazone et puis aussi les culottes cavalières. Rendons maintenant à son propriétaire, eh bien, Java, cette buse de Harris. Ce matin, les membres du rallye de Fontainebleau s'entraînent pour une chasse à cour appelée aujourd'hui Vénerie. Parmi eux, Jacques Sanders. 500 ans plus tard, il chasse sur les mêmes terres que François Ier. C'est à Fontainebleau que François Ier a chassé le plus souvent, puisqu'on a répertorié plus de 300 chasses à Fontainebleau. Et Fontainebleau était son camp de base. C'était là qu'il, évidemment, il chassait le plus fréquemment. Et Fontainebleau était pour lui sa résidence principale. Et puisque, quand il allait à Fontainebleau, il disait « je vais chez moi ». Aujourd'hui, les chasseurs considèrent François Ier comme un pionnier du genre. Il est père des veneurs parce que c'est lui qui, en quelque sorte, va élire la chasse à cour comme la chasse de la monarchie. À tel point que la chasse prend vite une place disproportionnée dans l'agenda du roi. Le rythme de la vie publique à la cour de François Ier était rythmé par la chasse, c'est certain, puisqu'on ne travaillait pas vraiment avant d'avoir chassé. Les rendez-vous diplomatiques sont tributaires justement de l'agenda des chasses du roi. Et d'ailleurs, les ambassadeurs s'en plaignent puisqu'ils sont obligés de courir après le roi. À tel point que l'ambassadeur d'Angleterre avait écrit au roi Henri VIII pour se plaindre qu'il n'avait pas pu parler d'affaires d'État avec François Ier avant d'avoir accepté de passer une heure à parler de la chasse. Mais on ne chasse pas uniquement pour le plaisir de traquer une proie. La chasse, c'était l'art de la guerre. C'était une préparation à la guerre. C'était savoir vivre de façon un peu rude, parce que quand ils allaient chasser, c'était pas une demi-journée, c'était 4, 5, 10 jours complets. C'était un exercice physique, c'est un exercice physique de résistance et un exercice intellectuel de stratégie et de combat. Le fait de chasser à plusieurs, de communiquer, d'encadrer le travail des chiens, est quelque chose qui est assez subtil et qui s'apparente vraiment à la stratégie militaire. François Ier aime les chasses en petits comités. En faire partie est alors le plus grand des privilèges. Certaines femmes étaient très assidues à la chasse et Catherine de Médicis en était la plus fidèle suiveuse puisqu'elle avait été acceptée par le roi François Ier dans ce qu'il appelait sa petite bande. La chasse, c'est surtout pour Catherine une façon de lutter contre les intrigues de la cour. Comme elle a un sens politique très développé, justement, elle a compris qu'elle pouvait plaire au roi en se montrant donc particulièrement assidue et bonne chasseresse. Catherine de Médicis avait également un autre souci, qui était celui de, d'éclipser sa grande rivale Diane de Poitiers, la maîtresse du dauphin, la maîtresse du futur Henri II. Elle était particulièrement contente de pouvoir suivre les chasses alors que Diane de Poitiers n'y allait pas. Pour pouvoir suivre le rythme effréné de François Ier, Catherine monte en Amazone, une technique qu'elle importe d'Italie. Donc en fait, les femmes ne chassaient pas à cheval, elles suivaient en calèche, ou bien sinon, on avait un lad qui tenait le cheval, et la femme était complètement perpendiculaire au cheval. Donc elle avait besoin de quelqu'un qui promenait son cheval. Ce que l'on doit à Catherine de Médicis, c'est d'avoir les deux jambes du même côté. Du coup, ça permettait d'avoir le buste de la cavalière qui revenait
parallèle au cheval et qui pouvait conduire elle-même son cheval. Et pour cela, donc, elle a monté la jambe droite sur une fourche et la deuxième est calée comme cela. François Ier, premier séducteur du royaume, se sert aussi de la chasse pour faire chavirer les cœurs. François Ier a toujours été très désireux de se mettre en scène et de faire valoir ses capacités physiques. C'est un homme voilà, qui aime bien plaire au beau sexe. Et dès qu'il a l'occasion de faire valoir sa bravoure, sa vaillance, son agilité, donc, il n'hésite pas à le faire. Un jour, dans la cour du château d'Amboise, il a de ses mains, lui tout seul, attrapé un sanglier. Évidemment, toutes les dames qui étaient autour se pâmaient devant ce valeureux chasseur qui avait attrapé un sanglier. Parmi toutes ces maisons de chasse, la plus prestigieuse. Perdu au cœur de la forêt, le château de Chambord, un témoin extraordinaire de la passion de François Ier pour la chasse. Chambord est un pavillon de chasse, avec 350 cheminées, donc vous allez me dire que c'est un grand pavillon de chasse, sans doute le plus grand, mais il a été conçu pour ça parce que tout autour, c'était extraordinairement giboyeux, et donc qu'il fallait un lieu pour que la cour s'installe quand le roi chassait. Destiné à faire resplendir sa gloire, Chambord est à l'époque le plus grand bâtiment jamais édifié. Pavillon de chasse ou garçonnière, c'est depuis ces terrasses que les dames ont le privilège d'admirer la chasse royale de François Ier. Nous sommes ici sur le balcon de la Lanterne. De ce point de vue, on peut facilement voir arriver les équipages à la poursuite des animaux. Il faut imaginer qu'au XVIe siècle, ce n'est pas tout à fait naturel de se trouver dans ces hauteurs. Donc on a en général un peu l'habitude de dire ici qu'une fois qu'on est au-dessus des toitures de Chambord, admirer ce parc tout autour, on est un peu dans le domaine des dieux, quelque part. La mégalomanie de François Ier ne s'arrête pas à la construction de Chambord. Le roi décide de clôturer sa réserve de chasse privée avec un mur de 32 km de long. Grâce à lui, le domaine de Chambord est toujours le plus grand parc clos d'Europe, 5500 hectares, la superficie de Paris restée depuis François Ier à l'état de nature. Catherine de Médicis, Diane de Poitiers, elles ont gouverné la France, l'une par la politique, l'autre par son emprise sur le cœur d'un roi, sur fond de passions amoureuses et d'intrigues du pouvoir. C'est à Chambord que s'achève notre voyage à la cour des dames, parmi ces joyaux du patrimoine que sont les châteaux de la Loire. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée sur France 2.